Vous avez passé une bonne nuit. Bref. Méditative. Voilà, un sourire qui manque. Ce chaume, ce milieu, c'est là. Jean-François, ton voisin est absent. Non, il est là, il est là. Ah bon. Travail. Réunion bilatérale. Oui. Messieurs, si vous le voulez bien, je demanderai que l'on arrête de faire trop de bruit pendant quelques instants. Mes chers collègues, je crois que c'est un moment très important pour nous tous. C'est un moment très important pour les hommes et c'est un moment très important pour le collège, c'est-à-dire pour l'institution que nous représentons. Au moment d'ouvrir la première séance de la commission de la communauté élargie, je voudrais avant tout, et vous le comprendrez, évoquer nos prédécesseurs, tous ceux qui ont participé depuis les toutes premières années au développement de la construction européenne. Ils ont été les hommes qui ont eu l'audace de concevoir et la capacité de réaliser ce qui paraissait impossible. En notre nom à tous, qui allons constituer le nouveau maillon de la chaîne et tenir la 234e réunion de la Commission, je voudrais leur rendre un sincère hommage et saluer aussi l'œuvre de ceux qui viennent de quitter la Commission. Au premier rang d'entre eux, le président Bansholt. Ce grand Européen dont l'imagination et l'élan politique ont tant contribué à faire l'histoire de notre communauté. De même, qui pourrait oublier la personne du vice-président Barr et de ses clairvoyants et courageux efforts en faveur de cet élément fondamental pour l'avenir de l'Europe que constitue l'Union économique et monétaire. Enfin, comment ne pas évoquer Albert Copé, qui avait été membre des exécutifs européens depuis leur création et a assuré, avec tant d'intelligence et de foi, la continuité au cours des 20 dernières années. En ce début de janvier 1973, après une année marquée par tant de changements dans le monde et caractérisée par l'aboutissement heureux des négociations d'élargissement et en octobre dernier par le succès de la conférence des chefs d'État ou de gouvernement, la communauté entre dans une nouvelle phase de son essor. La déclaration qui a marqué la fin des travaux du sommet de Paris constitue un programme imposant et confère à notre commission de larges responsabilités.
Nous avons trois atouts considérables. La preuve d'une volonté politique de la part des États membres. Des tâches nouvelles et précises. Un calendrier qui nous engage, mais qui engage aussi le Conseil. Notre collège doit engager ou poursuivre une série d'actions dans des domaines aussi complexes et essentiels que l'union économique et monétaire, le développement harmonieux des différentes régions de la communauté, la politique industrielle, la politique de l'environnement, la politique sociale, la politique globale à l'égard des pays en voie de développement et l'expansion des échanges internationaux. Ainsi seront établies les bases de l'Union européenne. Cet objectif ambitieux assigné à la communauté par le sommet de Paris. À la suite de son élargissement, la communauté acquiert beaucoup plus qu'un cadre géographique plus large. Elle prend une dimension nouvelle qui lui permet et même lui impose d'assumer désormais vis-à-vis des peuples de nos pays et vis-à-vis de l'extérieur des responsabilités, elles aussi élargies. En effet, notre tâche commune est d'abord d'assurer le développement intérieur de la communauté, tâche naturellement essentielle.